Bonsoir à tous et bienvenue pour la suite de cette aventure sur Pokémon Crystal Full Random. J'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. On se retrouve du coup dans une partie du Mont Creuset tout simplement. Je pense que je vais fouiller un peu, voir tout ce qu'il y a comme Pokémon intéressant. Mais ça commence très très bien ça. C'est comme Pokémon intéressant. Je capture tout ça et puis je vous montre, on débrief nous ensemble sur au niveau du PC ce que j'aurais... capturer et puis je découvrirai les types en même temps que vous du coup hein, clairement, ou alors je vous montrerai peut-être un peu un morceau des captures, je sais pas encore, enfin bref, voilà, on se retrouve plus tard. En remuant sa nageoire caudale, il entre en parfaite symbiose avec l'eau. Tadada, un aqualite capturé. Voulez-vous lui tourner? Oui, on va l'appeler Nissa. Hop, on va mettre ça proprement quand même hein, avec les petites minuscules et tout. Ni ça, voilà. C'est parti, il est parti sur la boîte 2. Oh, ah, je sais pas si vous avez vu ça. Enfin si, je suis con, vous voyez en même temps que moi, mais je suis complètement sur le cul, oui. Alors attendez, ce qu'on peut avoir, comment il s'appelait, Crinkle ou je sais pas quoi. Oh, sur le let's play du coup full random rouge, je crois que c'est un signe. On avait un Mew aussi, on avait un Mew complètement badass. Ah, faut pas que je le tue déjà. On va partir sur... Oh, il a des attaques balombre en plus, il va être complètement pété. Oh, je le sens, ça va être bon. Une bonne séance de capture. Aucun effet, ah oui, il est type spectre, effectivement. Chargeos, effectivement... Oh, j'en perds mes mots, je suis complètement perdu. Un Mew, comme ça, sauvage. C'est incroyable, c'est génial. Chargeos. Ouais, même un troisième coup. Ah, le problème, c'est que je peux pas le refaire. Il risque de canner. Il risque de mourir si je le refais. Est-ce que je tente les balls directement, là? Je vais pas acheter la Master Ball, quand même. Je vais pas acheter la Master Ball dessus. Je pense que je peux l'avoir, les guides. Je pense que je suis pas obligé de passer par la Master Ball. S'il faut, je le ferai. Si, voilà, sans hésiter. Hein. Ah non, le Pokémon s'est libéré. Alors là, il va mourir, à mon avis. Non, pas tout complètement. Non, je tente. Quand il sera mort, j'enverrai un autre Pokémon. On verra si je peux pas avoir une petite attaque qui peut endommager, qui peut juste faire des petits dégâts. Limite quelque chose qui soit résisté par Spectre. Bon, par contre, il a pas du tout l'intention de rester apparemment dans cette ball, hein, clairement. Le problème, c'est que je vais le tuer si je refais une autre attaque avec lui. Non, on va rester là-dessus. On tente les balles, on tente. Enfin, vraiment, en 4 derniers recours, je serai à Master Ball, mais... Ah, il faut que je puisse le faire rentrer sans... Oula, attendez. 2, 3... Oui! Dans une Pokéball, mon gars! Dans une Pokéball, c'est ça le talent! Tu vas faire quoi? Allez! Profil de Mew est ajouté au Pokédex. Étant donné qu'il peut apprendre toutes les capacités, on le prend pour l'ancêtre des Pokémon. On le prend! Mais ce n'est pas l'ancêtre de tous les Pokémon. Pas de tous! De beaucoup, mais pas de tous. Donne un surnom. Oui! Alors, comment on va l'appeler? J'ai bien envie de lui donner le même nom, mais ce nom, en fait, c'était un échangé, il était complètement pourri, donc j'ai envie de passer à autre chose. Et on va essayer de lui trouver un nom qui lui convienne. Comment on pourrait l'appeler, ce petit truc tout mignon? D'ailleurs, elle est super bien modélisée hein, dans Crystal. On va l'appeler Alpha, tout simplement. En majuscule, là, pour le coup, hein, il le mérite, hein, je pense que... je cherche le H, s'il vous plaît, merci, voilà. Alpha. T'as envoyé au PC de Léo. Ah bah en tout cas il va y avoir du lourd. Oh, un petit objet. On va aller récupérer ça. Et ben on a bien fait, vraiment bien fait de venir visiter cette grotte. Vous voyez comme quoi en full random ça vaut toujours le coup, ça vaut toujours la peine de se donner un peu de mal pour regarder ce qu'il y a dans chaque zone. Et oui. Donc toi je m'en fiche complètement. Voilà, j'ai juste récupéré l'objet. Et un rappel max. Ouais, ça pourrait toujours servir. Oh, il y a même un dresseur. Bah, tu sais, on va se le faire. Je crois qu'il est mort, Killer. Non, il n'est pas tout à fait mort, mais on a Tryhard qui est un petit peu en peine, là, qui nécessite un level de plus, donc on va aller... Ouais, donc c'est bien un dresseur. Pas question de perdre cette fois. Pourquoi? Tu es habitué à être loser, mon ami? C'est bien ça? C'est ça que tu es en train de me dire? Gabou, Pokémoniaque veut se battre. Il a 2 Pokémon, voyons voir ça. On voit Scarino, oh, des Pokémon de qualité. Tryhard, donc normalement ça devrait le faire parce qu'il doit pas être de type insecte. On part sur le lance-soleil quand même ou sur le match punch? On va tenter le match punch. Voilà, très efficace, donc parfait, c'est ce qu'on recherchait. Avec un peu de chance, non il n'a pas à trouver. Ouh, par contre lui il a tornade. C'est serré, on fait pratiquement autant de dégâts. Par contre il a beaucoup moins de level que moi et c'est ça qui est triste.
C'est ça qui est complètement triste. Alors lui, peut-être que c'est stabé aussi, hein, ça expliquerait. Après, vous me direz, le spécial, c'est pas trop son truc. Normalement, il est plus sur le physique, hein, Scarino. Bon, normalement, c'est bon, je devrais pouvoir m'en sortir. Et il meurt. Allez, Scarino, down. Comme ça, en plus, Trier prend son petit level. Ça fait plaisir, level 22. Allez, hop. Ça, ça part. Un Dardanian. Oh. Eh ben, écoutez, on va le tenter, on va le tenter. Quoique, j'aurais peut-être besoin... Non, Trier, de toute façon, c'est pas lui qui va pouvoir m'aider à faire des captures, vu que ses attaques sont beaucoup trop fortes, tout autant qu'elles sont. On va partir sur l'écrasement, parce que je... Non, il me semble que le match punch, il me semble qu'il est type psy, donc le match punch, ça va pas faire... Oui, voilà, ou alors sinon, voilà, on fait des dracorages et puis on n'en parle plus. Voilà, merci d'avoir joué, beau jeu vidéo, merci. Bon, on s'est fait hagar. Donc du coup, on fait quoi? Drax ou Gérard? Allez, Gérard. Gérard, sauve les meubles. Vas-y, avec ton double dard. Ah oui, en plus, Gérard, double dard. Ah, c'est complètement obscène. 579. Et un beau petit pactole. J'ai dit, est-ce que Gérard va apprendre une attaque? On sait jamais, peut-être que maintenant qu'il a commencé à en apprendre une, il va avoir le goût, tu vois, de l'apprentissage. Maintenant, il va aimer ça et voilà. L'autre jour, un type du genre Karate Kid voulait se battre. Il était fort. Il nous a tous cassé la tête. Il a continué ce chemin en disant qu'il s'entraînait. Ok, soit. Ouh, il y a d'autres objets à récupérer apparemment. Encore un Mew? Oh là là, d'accord, c'est la folie. C'est la folie complète en fait, c'est la grotte des Mew. Mont creusé, grotte des Mew, retenez, c'est important. Oh, alors attendez les amis, je suis route 42, je crois que par là c'est Acajou ou quelque chose comme ça. Je crois que j'ai complètement pas le level en fait. Attendez, on va voir parce que normalement c'est pas par là-bas hein, qu'on va. On tente quand... Ouais, non, on va pas tenter. Et j'aurais pas dû ressortir. Parce que là, si je fais tunnel, à mon avis, je vais arriver par là. C'est pas grave. Bah, écoutez, on se retrouve de l'autre côté. Ça sera pour plus tard. Alors, voyons voir ce qu'on a bien pu pêcher. PC de Léo, se connecter. Oui. Retirer. Alors, nous avons... Hey, on va commencer dans l'ordre. Donc, Hey, qui... Qui est seulement de type dragon, ok? Qui a écume, vampirisme, ouragan, dracorage. Ok, soit. Voilà, c'était notre octo. On va se remettre sur la page, voilà, de ça. Là, on a Nissa, électrique sol. Tiens. Coup de bout, tunnel, draco souffle. Pas mal, ça aussi. On a déjà électrique, on a déjà sol, mais on pourrait peut-être regrouper les deux là. Mais j'aime bien King Blue aussi, hein, mine de rien. Et là, oh, Mew, seulement de type spectre. C'est Dark Mew. Oh, ça c'est génial, avec Balombre. Huh. On a déjà Gérard, certes, mais avoir déjà deux légendaires dans l'équipe, c'est complètement dingue. Hein, voilà, d'une part. Et d'autre part, il a pas d'attaque Spectre, en fait, simplement, voilà tout. Donc du coup, qui est-ce qu'on pose stocker, huh, c'est la question. Zod, on le garde, c'est sûr. King Boo, on garde. Gérard, on garde. Drax, il peut virer à la limite, je n'aime pas spécialement. Tryhard, je vais le garder encore un petit peu. 1, 2, 3, 4, 5. Ah oui, j'ai Killer aussi. Killer, pour l'instant, il dépanne bien. Écoutez, Drax, il a quoi comme objet? Il a une pièce rune, ok, wow, c'est pas forcément... je vais... Alors, avant, on va récupérer son objet, je crois que je peux pas le retirer depuis la boîte. Je vais récupérer sa pièce rune et puis on va laisser Drax. Bah écoutez, on est parti sur la route. Oh bah attendez, j'avais pas enregistré le vélo moi. Bah si, bah regardez donc. Là je crois qu'on peut pas passer par là-bas. Hein. Oh quoique, attendez, est-ce que je peux remonter? Non, je suis pas sûr. Je pense que c'est le traquenard. Bref, donc on a vidé le... J'avais vidé la route hein, déjà ici, donc on va juste avancer tranquillement. J'ai pris avec nous dans l'équipe Alpha, qui va se battre pour nous. Alors, on avait pas fait eux par contre, je crois. Hein. Ouais, non, tout ça on avait pas fait. Écoutez, hop, on va déjà faire lui. Et c'est une bonne occasion. Montre-moi tes Pokémon, tout de suite. C'est un bon moyen pour notre petit nouveau protégé, notre Dark Mew, de faire ses preuves. Alors, c'est trop cool. Franchement, un Mew de type Spectre, je pouvais pas rêver mieux. Mais oh là là, mais pète sa mère. Alors, Grumble, d'accord, ouais, quand même. On le tente. Allez, on voit ce qui se passe. Ah, quand même, hein. Oh, j'ai... D'accord. Ouf. Ouh, ça va être violent, ça. Ça va être d'une violence extrême. Coup critique. Ah, ça va, il faisait casser avec un coup critique. Voilà. Normalement, là, je peux le tuer. Il a baissé... Sa défense spéciale est baissée d'un cran. Normalement, je le tue, là.
Ah, mais non, mais non. Mais non. Oh, il survit. Oh, yes. Ah oui, c'était un coup critique tout à l'heure. Ah, il est fort quand même. Il est fort. Parce que là, Machouille, si ça se trouve stabé, il a quand même deux levels de plus. Oh, et c'est le level. Alpha qui prend le level. Alpha qui se plaît déjà parfaitement dans cette équipe. On va utiliser Culbuto. Non, on va pas changer pour le moment. On va juste switcher. Enfin, switcher à postérieur. Ouh, level 20 quand même. D'accord, oui, d'accord. Là, ça ne plaisante plus. Là, c'est les vrais levels. Pokémon. Tac, 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 tac. Allez. Tryhard, j'ai confiance en toi. Tu vas le faire, tout ça, tout ça. Et tu as encore une évolution à nous démontrer. Enfin, à nous montrer et nous démontrer que tu vaux la peine de rester avec nous. On part sur quoi? Pff, allez. Je grid. Je grid, j'en ai rien à faire. Je veux l'atomiser. Je veux que ça soit. Ouh, le bec vrille. Ouh, ça va faire très 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 mal ça. Ça fait mal, effectivement. Le lance-soleil qui part. Ah, ce n'est pas très efficace. Ce n'est malheureusement pas très efficace. Ça ne lui a absolument rien fait. Il enchaîne sur Pic-Pic. Pic-Pic qui va faire. Qui fait bobo, hein, clairement. Voilà, qu'on se le dise. On échange. Quelqu'un qui va complètement résister à tout ça, Zod. Zod, c'est parti. Montre-lui de quel bois tu te chauffes, mon général. Pic-pic. Hop, allez, 2 PV. Ça, c'est fait. Ah, oui, tu sais pas que tu te frottes, hein. Aile d'acier, aile d'acier. Zod rate son attaque. Très bien. J'aime quand ça se passe comme ça. Aile d'acier. J'ai même une chance de faire des choses avec aile d'acier, non? D'apeurer ou quelque chose Ouais, bon, on verra. On verra. Ça c'est bon, on enchaîne tranquillement. Aile d'acier, qu'on va être un petit peu long, hein, mine de rien. Ce Culbuto est résistant, c'est un sac à PV. Et comme là, du coup, il est équipé de vraies attaques et pas juste d'attaques où il est obligé d'attendre qu'il se passe quelque chose, hein, concrètement, et ben il s'en sort plutôt pas mal. Bon, après, ce qu'il faut voir, c'est qu'à mon avis, au niveau attaque et attaque spéciale, il va pas avoir des stats dingues. Hein. Comme ses attaques se basent seulement sur la contre-attaque, si je puis dire, en fait, c'est statistique à lui d'attaquer d'attaque spéciale, on s'en carre, j'ai l'impression. Donc voilà. Est-ce que ça vaut le tout le coup que j'aille soigner tout ça? Oui, on va faire un petit soin, allez, à tout à l'heure. Alors, nous revoilà. Est-ce qu'il reste du monde là? Il en reste 2 ou 3 peut-être? Ah, j'ai pas pu l'éviter lui. J'aurais pu me lier dans un grand slalom différent. Ouais, moi je crâne avec mon Pikachu. Yeah! Bah viens, viens, viens crâner ici, viens, viens montrer de quoi tu as l'air. Un seul Pokémon. Étienne Pokéfan veut se battre. Étienne nous envoie un. Au calme! D'accord, non, non, mais ouais, non, mais là, tu peux crâner, écoute, mon pote. 17, ok. Bon, bah. Concours. Ça va être le concours de celui qui a la plus grosse, hein, je te le cache pas. Moi, je vais partir sur Balombre. Et toi, tu dis quoi? Ça dit quoi? Giga Sangsue. Alors, est-ce que je résiste? Est-ce que je résiste à Plante? Pas spécialement, et lui, il me fait pas trop de dégâts non plus. Donc, bah, écoutez, je vais tenter, je vais tenter. Je pense qu'on reste. Si j'ai un drop de défense spéciale, ça peut le faire. Voilà, j'ai un drop de défense spéciale. Donc là, clairement, je prends l'ascendant, je gagne l'avantage. Donc sur Dracolos, qui va continuer de faire Giga Sangsue, apparemment, il ne doit pas avoir grand-chose d'autre. Voilà, donc moi, il me fait 10 PV par 10 PV. Ah, oh, la baie! La baie qui fait plaisir, la baie délicieuse. C'est pas grave, nous, on va continuer à roxer, voilà. Et le deuxième drop de défense spéciale, donc il est mort. Il est complètement décédé maintenant, moi, je vais passer à 30. Parce qu'on lui retire 10 PV tout pile à chaque attaque. Ce qui est assez marrant et magique, d'ailleurs, hein, faut l'avouer. Et on part sur la dernière Balombre. Je sais pas combien j'en ai sur les PP de Balombre. Faudrait que je surveille, que je regarde un petit peu. Mais Alpha, encore une fois, qui a fait le boulot, qui ramasse toute la délicieuse XP, qui rattrape à grande vitesse le niveau des autres. Hein. Il est déjà level 17. Voilà, on a fait deux combats. Il est level 17. Un level par combat. C'est complètement honorable. Est-ce qu'on le soigne? Est-ce qu'il y a des dresseurs en bas? Il y a des dresseurs en bas, il y en a là. Écoutez, bah, on se retrouve tout à l'heure. Encore toi! Pas la peine de paniquer. Je ne me tracasse pas avec des Minus comme toi. En parlant de Minus, le champion d'arène n'est pas ici. Il est soi-disant en train de s'occuper du Pokémon malade au phare. Bouh! Laissons donc filer les Pokémon malades. Un Pokémon qui ne peut pas combattre est inutile. Pourquoi ne vas-tu pas t'entraîner au phare? Hein? Qui sait, peut-être que cela te rendra moins faible. Il est toujours autant dans la gratuité du parler, lui, hein, c'est fou. Bon, bah écoutez, les amis, là on va se soigner. J'avais fini les petits dresseurs, je crois qu'il en reste un que j'irai finir.
Et puis Alpha qui est passé level 18. Oh, c'est bon, ça, c'est très très bon. Donc du coup, sur ce, je pense qu'on va arriver à peu près aux minutes d'épisode classique, entre 10 et 15 minutes. Donc j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça me fera toujours super plaisir. Ouais, j'en perds mes mots tellement je suis ému. Oh. En tout cas, on se retrouve bientôt pour la suite. Salut à tous, c'était Gaoulf. Bilou bilou.